Bonjour et bienvenue, c'est Béné, on se retrouve pour le 25e épisode du Let's Play sur Assassin's Creed 2. Donc là on est au pont du Rialto, donc le pont de Venise, on est juste à côté d'un fragment d'Éden, donc on va commencer par ça. C'est parti. L'anéantisseur des mondes. Ok. Oh là là. Il y a un œuf. Il y a un triangle. Forcément. Le triangle est au 9. Forcément. Ok. Donc ça. 5. C'est vide. 2. C'est vide. Et 9. 9 c'est triangle. 9 c'est triangle. Si j'ai bien compris, c'est ça. Carré, carré, rond. 3 carrés de rond. 2 carrés en rond, peut-être. 5, c'est 2 carrés en rond. Carré, carré, rond. Voilà, 2 carrés en rond. Au contraire. Voilà. Et le 2, ça peut être quoi? Ouf. Alors là, j'en ai. Je sais strictement pas ce que ça pourrait être. Trois triangles? Trois triangles? Quoi que ça, là. Allez. Il n'y a pas les trois triangles. Ah, c'est peut-être les deux triangles. Non. Si, il n'y a rien. C'est ça. C'est-à-dire que le 5, c'est... Ah, c'est bon. Voilà, c'était un rond, je crois. Je crois que c'était un rond. J'ai tout essayé. Je crois que c'était un rond. Alors, essai autorisé. Dans toute expérience scientifique, il arrive un moment où la nécessité de mesurer les résultats en extérieur, à ciel ouvert, finit par imposer, par s'imposer. Si ces essais s'avèrent fructueux, je ne m'en réjouirai pas pour autant, même si je réalise que cette étape est cruciale pour poser la première pierre d'un nouvel ordre mondial. L'humanité a besoin d'une main de fer pour assurer sa sécurité et sa propriété. Une main qui ne ploiera pas sous le fardeau de la conscience. Pour toutes ces raisons, j'autorise O à procéder aux premiers essais. Premiers essais. Je suis convaincu que l'histoire nous donnera raison. Ok. Ah, ok, c'est essais nucléaires. Après, on va dire que oui et non, les essais nucléaires, ça lui a donné raison dans le sens où... oui, dans le sens où ça empêche des guerres mondiales, en vrai, que plusieurs pays ont des ogives nucléaires, ça dissuade un peu les adversaires, donc comme le problème qu'il y a entre la Russie et l'OTAN, l'OTAN a des ogives nucléaires et la Russie aussi, donc ça les dissuade un peu de s'entretuer, mais aussi de notre côté non, parce que la pollution énorme que ça a créé, c'est quand même assez énorme. Tous ces essais, ça a complètement détruit la planète. Allez, c'est mon avis, je pense que c'est ça. Ok, fichier décrypté. Il en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il en reste 7, donc il en reste pas énormément de fragments d'Eden. Donc ça, c'est plutôt bien. Donc allez, on va sortir d'ici. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va aller direction le point d'observation qui est là-bas. Et donc, le tombeau d'assassin, on le fera peut-être au prochain épisode, mais on le fera pas tout de suite. Oh. Oui, mais... Arrête.
Bon, c'est pas ce que je voulais faire. Pas du tout ce que je voulais faire, à la base. C'est... Ok. Dégage. Ah. Ah oui, c'est pas mal. Ah putain, il a grimpé aussi, l'enfoiré. Ok. Merci. Bon. Ok, c'est juste là. Est-ce qu'on peut sortir par là? Le dernier dont je me suis occupé s'est fait dévorer par les rats. Dégage. Ah mince, on peut pas passer ici. Le voilà, là-bas. On dégage. On va passer par là. Pas grave. Ok, donc allez, allons au point d'observation. Qui est juste là. Santo Stefano. Allez. On y arrive. Hop. Un de plus. Ça fait combien ça? 45 sur 73. Ok, donc allez, allons voir directement. Où est Emilio? Je lui ai demandé de venir. Vous lui avez dit? Vous-même? Oui, moi-même, en personne. On dirait que vous ne me faites pas confiance. On dirait. Il viendra peut-être avec les autres. Marchons un peu. Prenez les Templiers en filature pour espionner leur conversation. Ok. Emilio, il est là, pas. À vrai dire, c'est délicat. Mocenigo ne se laisse pas facilement convaincre. J'ai essayé de préparer le terrain, de faire des suggestions. Okay. Et ce n'est pas ma voix qui écoute. Il faut redoubler d'efforts et entrer dans son cercle d'intime. Oui, je comprends. Mais c'est plus difficile que prévu. Et pourquoi ça, Carl? Je ne sais pas, ce n'est qu'un... Okay. Le Doge ne m'apprécie pas. Ah oui, vraiment? Ce n'est pas ma faute. J'essaie de lui être agréable. J'apprends à connaître ses goûts et je les satisfais. Que ce soit avec les meilleurs fruits des vergers de Sardaigne ou les dernières modes venues de Milan. Oui, et ainsi vous passez pour un flacorneur. D'accord. Un quoi? Comment m'avez-vous appelé? Un paillasson, un flatteur, un lèche-botte. Dois-je continuer? Bastardo! Vous ne savez pas ce que je vis. Je suis soumis à de telles pressions au palais. Oh, parce que moi, je suis mieux loti. Oh, oui, vous n'avez pas idée à quel point. Vous n'êtes qu'un agent de l'État. Moi, je côtoie le Doge en personne. Je vis à ses côtés, jour et nuit. Avouez-le, vous aimeriez être à ma place. Vous avez fini? Pas encore. Maintenant, écoutez-moi. Je vais réussir. Le Doge finira par rallier notre cause. J'en suis persuadé. J'ai juste... besoin d'un peu plus de temps. Le temps, c'est justement ce qui nous manque, malheureusement. Venez goûter au plaisir de la vie. Dans sa grande sagesse, le conseil a autorisé la reprise des échanges commerciaux avec les villes des côtes de Barbarie. Bon, c'est pas très compliqué, hein. Il suffit d'avoir des... je sais pas comment on appelle ça. Des libertines, on dit ça, je sais plus. Nous discutons de sujets trop sensibles. Je ne veux pas prendre de risques. Ciao, belle. Tu ne l'oublieras pas. Attention, hein. On est là pour prendre des...
Allez, 5. Non, c'est bon. Allez, 5, c'était là-bas. Attendre un peu. Bonjour, mon cousin. Signor Carlo, Emilio n'est pas avec vous? Emilio est mort. Quoi? Comment? L'assassin. Celui-là même qui a éliminé les Pazzi. Il est ici, à Venise. Vraiment? Silvio, vous ne le saviez pas? Nous devons nous méfier. S'il était ici en ce moment, nous ne le saurions même pas. Rendez-vous compte, il a frappé Emilio dans son propre palais. Mais alors, qu'allons-nous faire? Je crains que l'heure ne soit plus à la subtilité, mes frères. Il faut passer à l'acte. Mais Marco, je touche au but! Laissez-moi quelques jours, si je peux... Non, nous agirons cette semaine. Il ne faut pas rester là. Avez-vous la bénédiction de l'Espagnol pour changer nos plans? Vous allez pouvoir le lui demander très bientôt. Ah. Il a fait le voyage? Campagne du Samar. C'est ce qu'on dit. Bien. Peut-être a-t-il pris une décision. Ok, c'est où? Je retiens, normalement je reviendrai. Ok, c'est juste là. Il y a des points d'observation à côté, très bien. Très très bien. Peut-être a-t-il choisi celui d'entre nous qui revêtira l'habit du doge. Pour de l'horloge aussi. Ah, c'est... À deux, on est presque au même endroit alors. Allez, lui casse les couilles. Ok. L'intelligence tactique est très certainement un atout, mon cher Silvio. Mais c'est de la sagesse qu'il faut pour régner. Vous semblez l'avoir oublié. Du calme, amis. Tout cela est inutile. Puis ce n'est pas vous qui décidez. D'ailleurs, il n'est pas sûr qu'il choisisse un barbare. Et pourquoi pas moi? C'est moi qui ai fait toute la sale besogne. Basta! Attendons qu'il soit là. Et il va vraiment venir? Oui! Signori, il faudrait avancer un peu plus vite. J'ai l'impression qu'on nous surveille. Merci, Dante. Nous allons marcher à ton rythme. Ok. Ce garde est très précieux, cousin. Combien vous a-t-il coûté? Oui, nous avons... Je pense avoir fait une bonne affaire. Il m'a déjà sauvé la vie par deux fois. Son seul défaut est une guerre loquace. J'en ai assez de vos querelles ineptes. Ce n'est pas à vous qu'un comble choix du doge. Et je ne vous permets pas d'échafauder des plans. Suis-je assez clair? Pardonnez-nous, maestro. Nous ne cherchons qu'à vous servir. La décision est prise. Le doge Mocenigo mourra ce soir. Et une fois cet acte accompli, Marco prendra sa place. Merci. C'est trop de grâce que vous me faites, maestro. Bien. Messer Grimaldi. Vous êtes proche de Mocenigo. Vous jouerez un rôle central. Servez-nous bien, et nous saurons nous en souvenir. Tenez avec moi. Je ne veux pas que le sang soit versé, vous comprenez? Ok. Il faut que tout le monde pense qu'il est parti en paix. Bien sûr, maestro. Quand pourrez-vous l'approcher? Je me déplace librement dans le palais. Il ne fait aucun cas de mes propos, mais il me considère maintenant comme... On va les prendre. Bravo. Eh bien. Vous allez vous introduire dans les cuisines. Et allez, on se bouge. Ce sera Marco, pensez-vous pouvoir nous trouver rapidement un poison adapté? Je m'en remets à mon cousin. Une telle requête relèverait plutôt de sa compétence. Ah, Silvio. Je suis à votre service, maestro. Avez-vous une suggestion à nous faire? J'en parlerai à mes associés dans les rues, mais je pense pouvoir me procurer de la cantarelle. Oh, je l'ai laissé tomber. Qu'est-ce que c'est? C'est une forme d'arsenic très puissante et pratiquement indétectable. Ok.
peux t'aider, Giovanni? Va bene, va bene. Mais ne t'absente. Alors c'est décidé. Bon. Dis-moi, tu ne connaîtrais pas quelqu'un qui voudrait prendre un peu de bon temps? Messieurs, vous êtes tombés sur les Vous venez de faire tomber les études botaniques du frère Antonio. J'en ai rien à foutre. Vous pouvez vous montrer plus respectueux de son travail. J'en ai rien à foutre. Oh mon Dieu, quelle honte. Alors, rien sur le pont Rialto. Bon, c'est quand qu'ils ont fini les gonzes là. Ah, maintenant il est en pierre le pont, il est plus en bois. Pardonnez-moi, maestro, mais ne craignez-vous pas que tout cela devienne trop dangereux pour vous? Après tout, vous vous êtes impliqué personnellement dans cette conjuration. Si je m'implique, c'est parce que je l'ai jugé nécessaire. Les Pazzi ont déçu nos attentes à Florence. J'espère que vous ne les imiterez pas. Ne vous inquiétez pas. Les Pazzi étaient bien trop stupides pour... Les Pazzi étaient une famille puissante et respectable, qu'un jeune assassin a exterminé à lui tout seul. Je vous conseille de ne pas sous-estimer ce fauteur de troubles qui hante maintenant notre cité. Ou les Barbarigo pourrait connaître le même sort. Je vous demande d'agir promptement. Bene, je dois rentrer à Rome. Le temps nous est compté. Ne me décevez pas. Bon, on a réussi. Je n'aurais pas dû les quitter des yeux. Il faut que j'aille voir Antonio. Donc ce qu'on va faire, on va aller faire le point d'observation qui est juste à côté. Lui seul pourra m'aider. Ok, donc on a réussi. Pardon. Donc on en a appris un peu plus. On a vu le maestro. Et il va falloir aller voir Antonio. Mais tout d'abord, on va aller au pont. Au point d'observation, pardon. Allez. Et juste là, ça fera 46. On avance plutôt bien. Et ça, c'est cool. Allez. C'était où le... C'était là. Je sais plus où c'était le... C'était vers là. Fragments des ténèbres. Deux fragments d'Eden, je sais plus trop où c'est. Il me semble que c'est vers là-bas. On va aller voir. On va essayer de prendre des fragments d'Eden qu'il y a. Oh, c'est bateau. Ok. Juste, je regardais. Donc, on va aller. On va essayer de récupérer les fragments d'Eden. Ici. Je crois que c'est ici. C'est là. Il y a un point d'observation ici en plus. Très bien. On va faire ça. Parler des doges. Non, c'est pas parler des doges. C'est pas ça. C'est pas grave. On va faire un point d'observation. On ira la prochaine fois. Ah, c'est trop loin. Ah, c'est trop loin. On ira la prochaine fois au... Ah si, Basique Samar. Si, si, c'est là. Basique Samar. On va aller là. On va déjà faire le point d'observation et après on va essayer de chercher le... Le... C'est pas bon là? Si, c'est bon. Ça. Allez. Il veut pas. Enfin,
Et après, on va aller chercher le... ce fragment d'Eden. J'y arrive pas avec ce fragment d'Eden. Allez. Allez, allez. Pas bon. J'ai rappuyé sur le rond, c'est dangereux de faire ça. Mince. Oh, attends. Non. S'il te plaît. Allez. Je me dis si je le vois pas. On fera un peu gagner. Ça me fera gagner un peu de temps, je pense. Ah mais si, il est là. Bon, on va y aller direct alors. On va y aller direct. Allez. Nouveau fragment d'Eden. Je suis revenu dans la routine. Il me fait retourner. Je perds le contrôle. Se mélange dans ma tête. Je tiens. Je vois Gettysburg au loin. Je viens de poignarder un homme. Il y a du sang sur mon gilet. Je suis Aspera. Ma soprano est vraiment très belle. Je suis au lit avec elle. Elle crie, fait l'amour. Je m'exprime lors du forum. Personne n'écoute. Je chasse dans la forêt. La lune. Je vois la... Je suis là. Je resterai jusqu'à ce que vous compreniez. Écoutez-moi, nos dons, nos aptitudes, nous en avons hérité par notre sang. Ok, donc décrypter le fichier. L'union de leurs deux mondes a planté la semence. Voici venus les assassins qu'ils ont enfantés. L'union de leurs mondes, leurs deux mondes a planté la semence. Zeus visitant Danae. Par grâce. Jupiter Io, Anix, demande l'Europe, peut-être ça. Peut-être ça alors. L'union de leurs deux mondes a planté la semence. Si venu des assassins qu'ils ont enfantés. Zeus visitant Danae. Ça, je crois que c'est bon. Non, Jupiter et Io. Je connais pas ça. Ida le signe. C'est un des trois. Ah. L'enlèvement d'Europe. Dame X. Ça, je pense que c'est bon, ça. Ça aussi. Ah, ça... Oh. Ah, je sais pas. Je vois si c'est pas les... qui a je sais pas du tout. Ah, je suis au hasard. Hein.
passe. Ok. Je sais pas. Je sais pas du tout. Ah, Cléopâtre, je pense pas. Ça peut-être. Ah, attends, peut-être ça. Non. Ok. Bon, c'est fait. Maintenant, on va aller vite prendre le point d'observation et on va s'arrêter là. Que ce soit un peu trop long. Allez, je saisis l'autre côté. Allez. On commence à faire un autre fragment d'Eden. Ça, c'est bien. Ah, il peut grimper, ok. Allez. Ok, ben on va s'arrêter là pour cet épisode. Donc j'espère que cela vous aura plu. On se retrouve très vite pour la suite de Assassin's Creed 2. Allez, peace, c'est tout.